Salut tout le monde, c'est Jolate, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Scrap Mécanique. Et aujourd'hui on va s'attaquer à un nouveau défi, une construction qui m'a été demandée de nombreuses fois dans les commentaires. C'est faire Marie Madeleine de Stranded Deep. Vous savez, ma mouette. Eh bien, nous allons faire Marie-Madeleine. Mais je vais essayer de bien la faire, parce que j'ai envie de l'honorer quand même. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie qu'elle me fasse la gueule la prochaine fois que je vais la revoir, tu vois? Alors aussi, petite nouveauté, vous devez certainement vous poser la question. Mais Jolate, pourquoi as-tu une pince à linge accrochée à chaque côté de tes lunettes? Eh bien, tout simplement, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que c'est pas plus con de porter des pince à linge sur ses lunettes que de demander de construire une mouette sur Scrap Mécanique. Et la deuxième, c'est parce que je trouvais ça stylé. Voilà, tout simplement. Vous trouvez pas que ça étire mon regard un petit peu? Moi j'aime bien. Donc on va s'attaquer à la construction de Marie-Madeleine. Si tu nous regardes, ne regarde pas ça, je t'en supplie. Oh putain, attendez, ça va être une grosse Marie-Madeleine là, mon vieux là, non? Elle est peut-être pas assez grosse comme ça, mon vieux. Ouais, parce qu'elle est grasse, Marie-Madeleine, mon vieux. Elle mange bien, elle, hein. Oh, qu'est-ce qu'elle mange, mon vieux? Là, ça va être la sainte Marie-Madeleine, mon vieux. Ça va être un truc de malade. Putain, et je sais pas si ça vous fait le même truc sur votre scrap mécanique là, mais des fois, mon bonhomme, il arrête pas de courir là. Il court tout seul sur le côté. Je suis obligé d'appuyer sur échappe. C'est chiant, ça. Est-ce qu'il y a qu'à moi que ça fait ça ou ça le fait à tout le monde là? Donc je pense qu'on va la faire un peu plus large. Parce que Marie-Madeleine, quand même, oui, elle est bien grasse. Et elle mange bien. Elle mange bien. Disons qu'elle est pas malheureuse avec moi. Ouais. Ça, ce sera donc la base de Marie-Madeleine. Ouais, bah qu'est-ce que tu veux, hein. On fait avec ce qu'on a, hein. On fait avec les moyens du bord. T'inquiète, mon vieux, je vais te faire la sainte mouette, tu vois. Ça va être un truc de malade. Même Marie-Madeleine, mon vieux, elle va être fière de moi. Voilà. Là, c'est de la même taille. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est pas mal. Regardez. Voilà, c'est ça que je vous parle à chaque fois. Putain, je suis obligé d'appuyer sur échappe là. C'est chiant. Est-ce que ça vous fait la même chose sur Scrap Mécanique? Bon, la Sainte Marie-Madeleine, mon vieux. Alors attendez, on va refermer ça bien gentiment, tranquillement. Voilà, regardez, sans se presser, tranquillement, gentiment. Et bah voilà, elle est pas magnifique comme ça? Elle est de toute beauté, t'inquiète pas. Regarde. Alors bien sûr, c'est pas fini, on va refermer tout ça bien gentiment et voilà. Et déjà on a ça, ce sera quoi ça? Et bah ce sera le corps de Marie-Madeleine. Eh ouais, tout simplement. Voilà, ce sera son petit corps de mouette. T'inquiète, on va la faire bien, mon vieux, alors. Alors, on va s'attaquer à une partie délicate de Marie-Madeleine, c'est-à-dire qu'on va y faire ses ailes. Ouais, parce que Marie-Madeleine, elle a des bonnes ailes, quand même. Des bonnes ailes de mouette. Vous vous rendez compte, à un point où je suis arrivé? Vous arrivez à me faire construire des mouettes sur Scrap Mécanique, quoi. C'est un truc de malade. Une mouette, quoi. Alors, autant il y en a qui font des avions de chasse, des transformers, des trucs de malade mental, des vaisseaux spatials, des machins avec des connectiques et tout. Non! Moi, je fais des mouettes, mon vieux. Eh ouais, t'inquiète. Alors, oh, mais attends. Une mouette, mais je fais pas une simple mouette. Non. Moi, je fais la sainte mouette. T'inquiète. Alors, on va y faire des ailes, tranquillement. Voilà, on va mettre ça ici. Ouais, tout à fait. C'est pas mal. Voilà, regardez, ça va être un truc de malade. Regardez comment qu'on va faire. Je vais pas y faire des simples ailes. Je vais y faire des ailes de malade, mon vieux. Je vais y faire des saintes ailes. T'inquiète. Regardez, attendez. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Même moi, je sais pas ce que je suis en train de faire, mon vieux. J'en sais rien, je sais pas ce que je suis en train de faire. Hein? Ah si, regardez, si, je suis en train d'y faire les saintes ailes là. Regardez ça, mon vieux, regardez ça, ça va se casser la gueule. Voilà, tu vois là, j'ai fait une aile de mouette là déjà. Voilà, regardez, je vais refaire la même aile, juste au-dessus. Et je vais te faire une petite soudure là-dessus, tu vas voir. Ça va être un truc de malade. Impeccable, là, voilà, c'est parfait. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on casse là, voilà. Regardez avec le super outil de soudure maintenant ce qu'on peut faire. Voilà, normalement. Là, tu vois que je sais bien y faire les ailes et tout, mon vieux. Oh là là, comment qu'elle déchire, mon vieux, la Marie-Madeleine, là. Pff, elle verrait ça, elle serait heureuse. Maintenant, regarde bien ce qu'on va faire. Regarde, je vais prendre ça, je vais faire un trou là-dedans. Regarde, je vais mettre un moteur, je vais le mettre juste ici. On va mettre ça à fond les ballons. Regarde comment que ça s'envole, mon vieux, là. Hein? Alors, oh, ça s'envole pas du tout, mon vieux. Non, c'est pas bon. Il nous faut un ordinateur, regarde. On va mettre un ordinateur juste derrière. Ça, ok, on va mettre ça genre à... on va les mettre à combien? Et du coup, les moteurs, ils servent à rien, là. Regarde, on va mettre un interrupteur. Et si je le mettais là? Voilà. Vas-y, fais péter. Ah merde, c'est sur le lift. Alors, attends. Pas! Regarde ça! Le délire! Vas-y, fais péter, là. Appuie. Alors, regardez ça. Ce délire. Comment que ça déchire, franchement. Regardez maintenant ce qu'on va faire. Maintenant, on va s'attaquer à la partie délicate de Marie-Madeleine. Là, c'est vraiment la partie délicate, je vous le dis direct, hein. Ça va être hardcore, mon vieux, parce qu'on va y faire la tête. Et bah, va pas falloir la louper, quoi. Parce que là, mon vieux, la prochaine fois que je vais revenir sur l'île, mon vieux, elle risque bien de me faire la gueule. On va essayer de faire ça bien. Là, on va faire une tête de mouette tranquillement, un truc assez soft. Attends, parce que là, je suis en train d'y faire un truc, laisse tomber. Voilà. Là, c'est pas mal. Là. Ah, mon vieux, bah laisse-moi monter là-dessus, là. Voilà, fais-moi monter là-dessus, impeccable. Regardez, là, on va pouvoir faire un truc de bien.
Ça, c'est vraiment pas mal. À mon avis, il y a moyen que je fasse un truc avec ça. Regardez bien ce qu'on va faire. Là, je vais faire un truc comme ça. Et ça, ce sera le bec de Marie-Madeleine. Ah bah, mon vieux, on fait comme on peut. Hein. Faut avec les moyens du bord. Oh, regarde ça, comment qu'elle déchire, mon vieux, ma mouette. Eh, déchire. Par contre, une mouette, plutôt le nez, c'est comme ça. Tu vois, regarde. Voilà, tu vois. C'est plutôt comme ça. Et c'est un peu plus long. C'est plus long, le bec d'une mouette. Ouais, ouais, t'inquiète pas, j'en ai vu des mouettes dans ma vie, mon vieux, je peux te le dire. Là, voilà, regarde ça, mon vieux. Oh là là, comment que ça déchire. Regarde-moi ça, mon vieux, on va la mettre sur pied. Impeccable, là. Regarde ça, on va y faire deux pattes de mouette. Regarde comment que ça va déchirer. Des grandes pattes de mouette, mon vieux, parce qu'une mouette, ça a des grandes pattes, hein. Ah, ça, attendez, je vais prendre un truc pour y faire des pattes de mouette. Fais voir ça, comment que ça donne, ça. Excellent pour faire des pattes de mouette. Regarde ça. Pff. Elle déchire pas. Regardez ce qu'on va faire. Regardez, je sais ce qu'on va faire. T'inquiète, on va faire péter un truc comme ça. Un truc comme ça. Voilà. Regarde, on va faire péter un deuxième ordinateur juste ici. Et on va le faire pivoter à 30 degrés. Ce qui est largement suffisant. C'est peut-être même trop. Si je fais ça, que je fais ça. Regarde les pattes direct là. Regarde ce qu'ils ont fait les pattes là. Attends, l'autre côté. Voilà. Tu vois? Regarde. Comment qu'elle déglingue, mon vieux, la mouette. Regardez, attendez, on va faire un truc juste ici, là. Regardez ce qu'on va faire. Je sais pas si vous vous souvenez ce que j'avais fait dans mon cochon. Là, tu fais péter un siège comme ça, mon vieux. Regarde ça. Comment que ça déchire, mon vieux. Ça déglingue. Regardez ça, on va y faire un truc de fou à notre Marie-Madeleine, mon vieux. On va y faire une queue. Regardez ça, là, c'est bien symétrique, là. C'est impeccable. Vas-y, appuie, là. Oh là 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 là. Aïe. Excellent. Excellent quoi, trop fort. On va bien entendu lui faire une petite beauté. C'est parti. Comme ça, Marie-Madeleine, elle est trop fraîche là. Je la kiffe moi. Regardez ça là. On a le cockpit juste ici. Regardez ça, le truc de malade. Oh là 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 là. Le cockpit et tout. Pff, trop fort. Meuf là. Merde. Ah bah, il y a un truc qu'on n'a pas pensé. Eh ouais, bah, c'est qu'il faut bien que Marie-Madeleine elle s'envole un petit peu, non? Ça donne quoi là? Qu'est-ce que ça donne, mon vieux? Elle penche de l'avant, mon vieux. Ah ouais, ouais, ça va pas du tout ça. Regardez ça, mon vieux. Regarde ça comment qu'elle s'envole la machine. Regarde ça comment qu'elle vole parfaitement, mon vieux. Bah regarde ça, mon vieux, elle est possédée, la mouette. Elle est possédée, la Marie-Madeleine. C'est un truc de malade. Faut l'exorciser. Qu'on appelle un exorciste. On va ajuster le poids tranquillement. Attention, Marie-Madeleine, c'est un petit pas pour l'homme mais un grand pas pour la mouette. Fais péter. Attends, attends. Attends. Ça, non. Ça c'est bon. Regardez ça. Regardez ça, mon vieux. Regardez ça, elle est d'une stabilité. Elle est d'une stabilité parfaite. Regardez ça. Ouais, elle s'envole un peu vers l'arrière, mais tranquille. Regardez ça, mon vieux. Bah. Attendez. Attendez, je vais descendre. Non. J'ai descendu en plein vol. Oh, regardez, je suis encore sur son dos. Je suis sur le dos de Marie-Madeleine, mon vieux. Vas-y, on y met les ailes en route. Aventi. Oh, la stabilité parfaite, mon vieux. Excellent. Trop fort. Alors, elle est là ou elle est pas là, la Sainte Marie-Madeleine, mon vieux? Oh là là, excellent quoi. Trop fort. Regardez ça, mon vieux. Vers l'infini et l'au-delà. Direct. Et on va toucher les airs. Ah bah, tiens, ça y est, mon vieux, on est en l'air. Regardez ça, comment qu'elle vole, mon vieux. Elle est majestueuse. C'est un truc de malade. Elle est tellement gracieuse, mon vieux. Elle a tellement de grâce dans ses gestes. Regarde ça, mon vieux, la grâce qu'elle a. Bon, et bien écoutez, j'ai envie de vous dire que la Sainte Marie-Madeleine, elle est là, mon vieux. Eh ouais, franchement, moi je l'aime bien. Je la kiffe bien. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pourquoi pas la partager, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à me lancer vos défis dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye! La Sainte Marie-Madeleine, elle est là, mon vieux.